TED, c'est le robot viticole de Naio Technologies. Il a été créé en 2017 et ses premiers tours de roue ont eu lieu dans le Médoc à l'hiver 2018. TED entame donc cette année sa troisième saison d'utilisation et d'expérimentation chez une vingtaine de partenaires vignerons dans différents vignobles partout en France. Concrètement, il fait quoi? C'est un enjambeur autonome, 100% électrique de désherbage mécanique. Au niveau de son fonctionnement, le porteur se guide via la technologie GPS RTK sur les parcelles dont on a fait la cartographie préalable, soit manuellement, soit lors de la plantation, soit via un drone. On peut atteler au porteur ensuite un ensemble d'outils mécaniques traditionnels, des lames, des disques, des décavaillonneuses, que l'on retrouve chez les différents fournisseurs de matériel viticole. Il suffit ensuite de l'amener sur la parcelle que l'on souhaite travailler, de le paramétrer et de lancer en autonome. Avec une autonomie de 7 à 8 heures et une vitesse moyenne de 4 km/h, on fera donc, selon la densité et le type de travail du sol, environ 3 et 5 hectares à la journée. TED s'adresse aux viticulteurs, vignerons, coopératives, prestataires de services, tous désireux de tester une solution innovante de désherbage mécanique, et de collaborer avec Naio pour l'adapter aux différents itinéraires techniques. Les avantages de TED, son autonomie. Il va permettre d'optimiser et de réorganiser les temps de travaux, surtout en période de compétition avec d'autres tâches à réaliser au vignoble. Son poids, il est léger, il va contribuer à diminuer le tassement des sols. Il est 100% électrique, cela va permettre de diviser quasiment par 10 les coûts et l'utilisation de fuel. Et grâce au désherbage mécanique, il va permettre de réduire, voire de supprimer, l'utilisation de désherbants chimiques.